Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, un épisode complètement exceptionnel puisque qu'est-ce que je vais faire ? Comme vous le savez, je récupère plein de tourets et le but est de faire des choses avec pour éviter que ça passe à la poubelle. Et là, je vais essayer de faire un siège de jardin en utilisant uniquement les éléments qui sont sur le tourret. La première chose, bien sûr, c'est de prendre les deux plateaux et de les couper en deux. Et je fais ça avec ma super scie circulaire de chez Metabo qui peut couper le métal, qui coupe du bois, parce que bien sûr, sur ces éléments, il y a beaucoup de petits éléments de métal qui risquent de niquer la lame de ma scie standard pour le bois, c'est-à-dire des agrafes, des machins, des trucs. Donc je découpe tout ça en deux. Quel va être le principe ? Le principe va être d'utiliser le premier plateau du tourret coupé en deux pour l'assise du siège, et le deuxième va servir de dossier entre guillemets à ce futur siège. C'est un siège pour le jardin entre guillemets, plutôt rustique, et comme je l'ai déjà dit, le but c'est d'utiliser tous les éléments du tourret, c'est-à-dire les plateaux du tourret, les espaceurs en bois et surtout les tiges filetées. Après avoir mis en place la base, je calcule plus ou moins un angle un peu au pifomètre ou semi-pifomètre pour le dossier. Et je vais assembler ces deux éléments. Alors ces deux éléments vont être assemblés avec justement les espaceurs en bois qui servent normalement à constituer la base du tourret. Et ces espaceurs vont servir de dossier et d'assise pour mon futur siège. J'ai à peu près la structure principale qui est mise en place. Maintenant, justement, j'utilise les espaceurs en bois que je visse directement sur la structure et qui vont servir justement d'assises et de dossiers pour le futur siège de jardin ultra stylé à base de tourets. Le but ici n'est pas d'avoir un produit fini. Le but ici est de faire un prototype rapide. Ça m'a pris quoi ? Une grosseur et demie, un truc dans ce genre-là. Voir si le principe est intéressant, voir s'il faut développer un petit peu et faire d'autres prototypes, ou si c'est complètement pourri et le laisser tomber et passer à un autre projet. Ben, la réponse est claire, c'est un projet qui a des jambes, je trouve ça sympa. Il y a bien sûr plein d'ajustements à faire, aussi bien sur la hauteur du dossier, sur la hauteur de l'assise, sur les différents angles, mais le principe d'utiliser tous les éléments qui existent sur le tourret pour refaire un siège de jardin marche pas mal. Alors il y a une seule chose que j'ai rajouté, c'est les deux petits éléments en sapin pour l'assise des fesses. Là je vais solidifier le tout en utilisant justement les tiges filetées qui ont été récupérées, pour pouvoir en fait presser entre guillemets ce siège et avoir quelque chose de vraiment stable. J'ai mis 4 tiges filetées, 2 sur chaque extrémité et 2, une sous l'assise et une autre derrière le, je sais même plus comment on dit ça, derrière le dossier du futur siège. Et j'avoue, bah, ça marche plutôt pas mal. Aussi bien au niveau design, je trouve ça semi-original, et puis je trouve ça sympa, mais surtout, le but, bah, il est d'arriver à faire quelque chose de correct, avec quelque chose qui est censé partir à la poubelle. Le copain Silouane m'aide à trimballer le siège par terre, et on va pouvoir le tester pour la première fois. Et bien sûr, il y a différents éléments à ajuster, mais sur le principe, ça marche vraiment pas mal. Je suis plutôt content du résultat, et ça veut dire que je vais préparer des plans et faire quelque chose d'un peu plus correct pour la future version finale. En tout cas, moi je me suis bien marré, le résultat est vraiment coolos. Ça mérite quelques ajustements, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Merci à tous, que la barbitude soit avec vous, et à très bientôt.